Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, le moral est meilleur que la dernière fois, je dois dire. C'est vrai que quand on voit la réaction des Italiens qui se battent de toutes leurs forces contre l'injection obligatoire, ma foi, c'est vrai que ça donne espoir que les Français réagissent également, si jamais c'est la même chose arrivée en France. Et puis, les aides-soignants en Martinique, ma foi, ont eu gain de cause, hein, puisque c'est pareil. Eux aussi, on leur a imposé l'injection pour aller au travail et finalement, ils ont été solidaires et ont réussi à empêcher cela. Donc, il n'y a plus de passe pour eux pour aller travailler. Donc, c'est une victoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester solidaire. Et c'est bien le problème en France, puisqu'il y a toujours des divisions, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Et pourtant, la solution passe vraiment par l'unité. C'est comme ça qu'on pourra avoir gain de cause. Bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai le moral qui est un petit peu en hausse. Donc, j'en profite pour poser la question par rapport au secret médical pour les enfants. Vous savez, hein, que ça doit être débattu au Sénat le 28 octobre. Hein. Est-ce que les directeurs d'établissement, etc., enfin, l'administration en général, pourra avoir accès au dossier médical des élèves de plus de 12 ans pour voir leur statut médical ou leur statut vaccinal? Alors, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que ça va passer? Ah, j'ai une carte qui vient de se retourner tout de suite. Je vous la montre. Alors, ça peut déjà être la réponse, hein, blocage, report, retard. Bon, je vais quand même faire le tirage. Mais j'ai l'impression que la réponse, déjà, c'est que ça va être bloqué. Mais on va regarder. Alors, je prends mon grand oracle. J'ai commandé deux autres jeux de cartes qui devraient arriver demain. Je vous en laisse la surprise. J'aime bien innover de temps en temps. Voilà, donc je vous ferai certainement d'autres tirages la semaine prochaine pour tester un peu ces jeux. Alors, on va rester sur le Sénat, donc le 28 octobre. Voilà. Alors, est-ce que ce projet va passer? Donc, ah bah tiens, sans surprise, écoutez, je retourne encore. Enfin, non, c'est pas que je retourne, excusez-moi, j'en parle en français aujourd'hui. Je retombe encore sur la roue et sur la Vierge. Donc, il y a une espèce de protection là, quand même. Hein. Hein, la Vierge protège les enfants. Pour moi, en tout cas. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y a une protection pour ça. Alors, on va quand même aller faire le tirage. Alors, est-ce que le projet va passer? Voilà. Alors, pour le dire la vérité, j'avais fait le tirage déjà hier. Et puis, je me suis aperçue que j'avais mal cadré les cartes. Donc, je vous refais le tirage. Tant pis, ça m'apprendra. Alors, l'homme, le compromis, le désert et la révélation. Ben justement, la révélation, c'est quand on accède à des données sensibles. Hein, donc, oui, les secrets révélés. Donc, effectivement, le dossier médical. Alors, l'homme, ça peut être le directeur d'établissement, par exemple, hein, qui pourrait avoir en premier lieu, justement, accès au dossier des enfants. Donc, privation, ben, ça veut dire qu'à mon avis, il n'y aura pas. Hein, il n'y aura pas accès aux données cachées, même si de l'autre côté, ici, les sénateurs ou le gouvernement, plutôt le gouvernement, considèrent que c'est nécessaire. Hein. Bon. Donc, a priori, non. Hein. Mais bon, on va quand même remettre des petites cartes dessus, notamment ici et là. Voilà. Là et là. Alors, vous voyez, j'ai la stérilité. Bon. Là, l'hiver, ouais, donc ils voulaient mettre ça en route rapidement, hein, parce que l'hiver, on y arrive. Là, ce serait intrusif, hein, donc c'est bien le directeur d'établissement qui jouerait le rôle de l'intrus, puisque le lierre, c'est l'intrus. Ou c'est ce qui, en fait, c'est ce qui enserre, c'est ce qui ligote, mais là, c'est vraiment l'intrusion. Donc ce serait absolument non, comment dire, non correct. Je trouve pas le mot, hein, excusez-moi, parfois, j'ai pas le mot en français, ça m'arrive en allemand, mais j'ai pas le mot en français, voilà. C'est là qu'on s'appelle ça qu'on vieillit. Enfin bon, ouais, ce serait trop intrusif, voilà. Hein, ce serait pas correct. Et donc là, voilà, donc effectivement, prise de réflexion, mais à mon avis, ça passera pas, j'ai stérilité. Hein. Ouais. Étude. Hein. Étude, en fait, prise de réflexion, étude par rapport aux révélations, c'est le secret médical, ça. Hein. C'est toutes les études, c'est tout ce qui est enregistré, en fait, hein, par rapport au dossier des enfants. Mais bon, regardez, j'ai quand même privation, stérilité. Bon, pour moi, ça passe pas. Non. Franchement, non. Je pense pas. On va encore remettre encore une carte. Bon, voilà, c'est. Alors, la glace, c'est. Voilà, c'est un projet qui a été fait comme ça, mais qui durera pas, quoi, de toute façon. Ça se casse, hein, ça fond. Alors, ça fond, on va dire, plutôt que ça se casse, ça fond. Donc, le truc, il est en train de se défaire, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ouais.
Moi, je ne le vois pas passer. Bon, bah ça, justement, pourquoi est-ce ils font ça? Bah justement, c'est pour voir le statut, si les enfants ont reçu leur petit aiguillon, là, c'est tout, hein. Et puis après, ma foi, c'est pour les discriminer, tout ça, hein. Mais c'est quand même... Ouais, donc effectivement, ils veulent mettre ça au point rapidement, vous voyez, hein. Mais non, il y a vraiment un dilemme. Alors, en fait, il y a deux choses qui viennent me dire, que je vais entendre, pardon, qui me viennent en tête. Bon, j'essaie de ralentir un peu le rythme aujourd'hui. Il y a d'une part le fait qu'il faut regarder si effectivement le statut de l'enfant, donc s'il a reçu son petit aiguillon, là vous avez compris. Et d'autre part, ça veut dire aussi qu'ils ont l'intention d'ouvrir l'injection pour les enfants. Mais cette fois, je ne parle pas des enfants de plus de 12 ans parce que c'est déjà ouvert à ce niveau-là. Mais là, le jeu me dit qu'en plus, par rapport aux autres enfants, aux plus petits enfants, il va y avoir ouverture aussi de l'injection. Et que là, il va y avoir effectivement une prise de décision, hein, qui va conduire à un défi. En fait, c'était ma deuxième question. Donc, c'est bien, le jeu anticipe. Hein. Donc, en fait, j'ai déjà la réponse à la première question. Sinon, il n'y aura pas accès au dossier médical des élèves. Et la deuxième question, c'est qu'ils vont vouloir imposer, ou en tout cas, on va dire, ouvrir la VAX. Peut-être pas imposer, mais ouvrir la VAX aux petits-enfants entre 5 et 11. Et que là, ça va entraîner quand même un gros dilemme. Parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, là. Hein. Il y a le défi, il y a l'expérience, c'est aussi en fait, le fait qu'on ne sait pas exactement, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein, ça, c'est les fameux effets. Hein. Et donc là, à mon avis, ouais, alors, on a les foyers. Ouais, donc vous voyez, les foyers, c'est aussi les familles. Hein, qui vont en fait dire non. Hein. Il y a une rupture là. Bon, bah, ça ne sera pas. Donc, on va quand même en faire un autre jeu pour être sûr. Mais enfin, avec ce jeu-là, j'ai pas trop de doutes. On va regarder avec le 32 si donc le secret médical va être levé ou pas. En tout cas, j'ai le grand oracle français qui me dit non. On va quand même proposer la question rapidement avec le 32. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment pas l'impression. Alors, en fait, le premier tirage que j'avais fait hier me donnait la même chose. Alors, 9 de cœur, 10 de trèfle, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui sont pour. Hein. Alors, est-ce que le projet va passer à l'Assemblée? Non, pas à l'Assemblée, au Sénat, pardon. Au Sénat. Ouais, valet de pique, bon, déjà. Bof. Bon, vous avez les enfants, là. Hein. Alors, les enfants, les ados, en fait. Hein. Ça, c'est plutôt la carte des ados. Les enfants, c'est une autre carte. Bon, ben là, valet de pique, roi de pique, non, ça passera pas. Ça, c'est effectivement tout ce qui est officiel. Là, oui, c'est les démarches qui vont être faites en ce sens. Hein, donc, oui, ils vont en débattre. Hein, donc, c'est bien une démarche. Mais bon, non, les deux là ensemble, non. Franchement, je crois pas. Hein, non, il y a des cartes comme ça. Voilà, là, alors, là, on a les enfants aussi. Donc, on a les ados, les enfants. Bon, 12. Hein. À 12 ans, on n'est pas encore un ado. Mais enfin, donc, c'est pour ça que j'ai les deux, en fait. Hein. OK. Ouais. Voilà, ça c'est le secret. Vous voyez, ça passe pas. Hein. Le 10 de pique, c'est la carte du secret. Hein. Ben non, avec la dame de carreau, ça passera pas, à mon avis. Et le valet de pique non plus. Bon. Bon, on a notre réponse. Donc non, pour moi, ça passera pas. Alors, j'avais envie de vous faire un autre petit tirage aujourd'hui. On va reparler de cette fameuse obligation vax. Hein, puisque après tout, ils l'ont fait passer en Italie, n'est-ce pas? Avec les conséquences que l'on connaît, que j'évoquais au début. Donc les Italiens, on sait que ce sont des gens à tempérament, qui sont vraiment dans les émotions, etc., qui réagissent au quart de tour. Hein, et heureusement qu'ils sont réactifs, puisque là, ils sont en train de se battre. Alors la question est, si cela devait arriver en France, et on va regarder, comment réagiraient les gens? Est-ce qu'il réagirait plutôt la façon italienne ou est-ce qu'il réagirait la façon, ma foi. Alors attendez, parce qu'ils l'ont imposé ça. Du coup, je ne sais plus. Il y a trois pays dans lesquels ils l'ont imposé. J'ai oublié. Je ne me souviens plus. Enfin bref. Est-ce que sinon, est-ce que les Français accepteraient ça? Donc on va regarder. Est-ce que donc l'obligation, c'est-à-dire en fait le passe pour tout le monde, c'est-à-dire les gens du public comme les gens du privé, hein? Est-ce que ça va se faire? On va regarder. Hein, je vous avais dit il y a, je sais plus, il y a à peu près un an de ça, il me semble, hein,
que l'obligation ne serait pas faite dans un premier temps. Enfin, qu'il n'y aurait pas en tout cas vax obligatoire dans un premier temps. Hein, c'était juste avant que Macron l'annonce. Et effectivement, il a dit « je ne rendrai pas, blabla, obligatoire ». Vous vous souvenez, hein. Et moi, juste avant, j'avais dit « non, il ne va pas le faire, en tout cas dans un premier temps hein, ». Vous pourrez regarder, c'est un de mes premiers tirages. D'ailleurs, j'ai la carte qui vient de se retourner ici, qui vient de tomber, c'est « épreuve et imprévu ». Bon, donc, ça veut dire que les choses peuvent changer et que effectivement, il pourrait mettre ça en place. Alors, on va regarder tout de suite avant d'anticiper. Donc, est-ce qu'il y aura la vax obligatoire cette fois pour tout le monde? Alors, on a la femme et la clé. Bon, ok. Je ne sais pas toujours pourquoi j'ai cette femme-là avec la clé. C'est comme s'il y avait une femme toujours qui allait intervenir. Elle sort tout le temps, cette femme-là. Hein. Elle avec un homme. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Est-ce qu'il va y avoir obligation vax pour tout le monde? Alors, comme en Italie, en fait. Hein. Comme en Italie. Et on va mettre même une carte au milieu. Voilà. Je suis adepte des tirages en croix. Moi, j'aime bien. Alors, il y a quand même une histoire de rapidité ici, avec une trahison ici. Hein, parce que la pie, c'est un animal qui montre aussi éventuellement les trahisons, les abus de confiance. On a ici la nécessité. Là, on a le partenariat. Et là, on a quelque chose qui s'achève. Une rupture ou un achèvement. Bon. Alors, a priori, ça, c'est le gouvernement qui est un voleur. Hein. On n'est pas surpris, comme d'habitude. Hein. Comme je dis toujours, on n'est pas surpris, puisque, effectivement, abus de confiance, ma foi. Oui, hein, ils reviennent toujours sur leurs paroles. Et là, ils pourraient vraiment y penser rapidement. Alors, la Lune, il y a des éclipses, là, qui arrivent, hein, en novembre et en décembre. Donc, ça fait penser aux éclipses, moi, à chaque fois. Hein. Éclipse lunaire et éclipse du soleil. Donc, ça pourrait être vraiment rapidement. Moi, je suis sûre qu'ils vont remettre ça sur le tapis. Et donc là, les anneaux, ben, ça veut dire que ça pourrait passer justement par le vote à l'Assemblée, le vote au Sénat, puisqu'on a les anneaux. Donc, les anneaux, c'est les partis, les associations. Et donc là, ça fait vraiment penser à, donc, aux deux anneaux. Donc, effectivement, à l'Assemblée nationale et au Sénat qui devraient en débattre. Alors, mais il y a quand même une rupture. On va regarder, on va essayer d'en savoir plus. Alors, est-ce qu'il y aurait donc le pass pour tout le monde? Parce que achèvement, il peut y avoir deux sens. Ça veut dire que soit ça se fait pas, donc ça s'interrompt, soit c'est quelque chose qui s'achève, donc le projet va jusqu'au bout. Hein, c'est un peu tendancieux cette carte-là parfois, donc je vais pas la recouvrir. Alors, j'ai quand même stérilité, inutilité. Là, il y a les questions d'argent, donc attention parce que justement... alors, vol, épargne. Est-ce que c'est l'épargne en danger? Je ne sais pas, parce que je suis partie sur le pass. Donc, ça ne devrait pas être ça. Mais ils peuvent éventuellement faire comme en Italie, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de pass sont punis, doivent payer une amende. Là, on a quand même la célébration et l'étranger. Bon. Alors, le lointain. Pourquoi j'ai ça, du coup? Je ne sais pas. Compromis. Ouais, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt effectivement pour les restaurants, tout ça, hein, le pass. Ça, c'est vrai, c'est actuel. C'est nécessaire pour aller dans les restaurants, prendre un café, etc. Et c'est nécessaire aussi pour voyager. Ça, c'est vrai. On en est là pour l'instant. Par contre, ici, j'ai quand même l'inutilité. Alors, je ne suis pas sur la question. Attendez, on va reposer la question. Est-ce que le pass va être voté pour tout le monde? Bon, pour moi, il y a quand même ici comme une possibilité hein, que ça se fasse. Là, j'ai l'inconnu. Ah ben là, j'ai effectivement donc les petits aiguillons. Hein, donc oui, la vax, hein, elle est là. Donc le gouvernement veut vraiment, vraiment le faire. Ah, ben j'ai l'officialisation, ben c'est sorti. Bon. Ouais, alors je comprends en fait, je suis en train de réfléchir. En fait, ça sert à rien. C'est stérile, hein, le pass, on est d'accord, ça sert à rien. Mais en fait, ils veulent le faire pour des questions de traçage.
voyez, on l'a ici. Ça, c'est les empreintes que vous laissez quand vous faites vaccin et que vous avez votre code. Ça, c'est le traçage. Vous laissez vos empreintes. Donc, on peut vous identifier. Hein, le jeu me dit bien qu'en fait, ça ne sert à rien. Mais c'est ça qu'ils veulent. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, mais enfin, vous êtes éveillés, vous êtes sur ma chaîne. Donc, je sais que vous savez. Voilà. Vous savez qu'en fait, le but de tout ça, c'est vraiment de ficher les gens. C'est tout. C'est vraiment... bon, et puis, pour d'autres raisons, évidemment, que je ne veux pas trop évoquer, il y a la question de des effets secondaires. Mais enfin, bon, je n'ai pas évoqué le sujet là-dessus, dans ce tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une des raisons majeures, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu un film que je vous conseille, qui est excellent, qui s'appelle What Happened to Monday. Donc, en fait, le titre en français, c'est Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi comme le jour de la semaine. Vous pouvez regarder le film. Franchement, c'est un excellent film, d'ailleurs, qui est adapté d'après un roman. Je ne connais pas l'auteur, d'ailleurs. Mais le film, à mon avis, est une vision possible de notre avenir si nous laissons passer ceci. Bref, tout ça pour vous dire que oui, c'est tout à fait ce qu'ils ont en tête. Et que ça pourrait être, oui, officialisé, tout à fait, puisque j'ai le contrat, là. Donc, faire comme en Italie. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passerait après? Oui, vous voyez, j'ai la médaille. Donc là, il y a les honneurs. Il y a les honneurs. Ouais. Donc ce serait bien reconnu. Alors après, on aurait ici des amis et les privations. Insuffisance. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on aurait ensuite? Ouais, j'ai une petite idée, mais j'ai quand même continué pour vous dire si j'ai bien vu. Ouais, bon. Ben, ça veut dire qu'en fait, ce serait la rupture de tout ce qui est vie sociale. Alors déjà que là, ils l'ont vraiment diminué fortement. Hein. Mais là, ce serait fini. Ce serait une privation à tous les niveaux. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aussi qu'il y aurait des questions d'être privé de son gagne-pain. Vous l'avez ici aussi, hein. Si les personnes ne se font pas injecter le truc, comme vous savez, hein, c'est-à-dire comme en Italie, en fait, si les gens disent non, et les gens vont dire non, eh bien, ils risqueraient de perdre vraiment leur gagne-pain. La même chose qu'en Italie, c'est la même chose. Hein. Mais il y aura un refus et un rejet massif. Donc, en fait, si jamais le gouvernement décide de faire la même chose qu'en Italie, eh bien, il se passera la même chose qu'en Italie, à savoir le refus. Donc, on va vers des mois souriants, on va dire. Hein. Voilà, donc il y aura des petites fourmis qui vont s'organiser ici, sous l'égide d'un homme, certainement. Donc, un résistant. Hein. Hein, là, je suis déjà un petit peu plus loin dans le temps, vous voyez. Hein. Donc là, je pars du principe que leur projet est passé et que les gens refuseront et qu'il y aura quelqu'un qui va prendre la tête d'une organisation. Donc, en fait, qui regrette un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on a l'histoire du château, donc je vais revenir sur cet homme. Mise au vert. Alors, attendez. Là, je suis en train de réfléchir à ce que c'est. Campagne, fortune. On a encore d'autres choses qui ressortent ici. On a des questions d'immobilier ici qui ressortent. Mais je voudrais rester là, moi. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et les choses vont s'accélérer. Ouais, en fait, ça me dit que ça pourrait être, sinon, si les gens n'acceptent pas, ils pourraient être obligés de rester chez eux. Hein, parce que j'ai mis au vert ici. Donc, un peu plus ou moins les histoires de confinement, là. Bon, donc je suis partie un petit peu loin. Je vous ferai le résumé après. Je continue par là. D'accord, donc là, c'est quelqu'un qui sera suivi. Il y aura une opportunité, ouais, malheur, l'hôpital, ouais, donc, bon, si les choses devaient en arriver là, en tout cas, ça se passerait pas bien, hein. C'est-à-dire que, effectivement, là, il y aurait des grosses contestations menées par un homme, un résistant,
qui ferait un petit peu accélérer les choses pour justement essayer de sortir du tunnel, hein, par rapport justement à tout ce qui est mauvaise nouvelle concernant le pass, hein, là. Bon, je vais vous refaire un jeu parce que parfois il est un petit peu difficile avec l'oracle, le grand oracle français, mais moi je pense vraiment que c'est ce qui est au programme du gouvernement, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent imposer le pass à tous. C'est-à-dire pas seulement les gens, les aides-soignants ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans, les pompiers, les gendarmes, je crois. Enfin bref, plein de catégories. Je ne les ai plus toutes en tête. Mais ils veulent l'imposer à tout le monde. Et ça va arriver. Mais par contre, il y aura la contestation. Donc on va un petit peu vers la situation comme en Italie, hein. Alors on va redemander au jeu de haut si effectivement on va vers une obligation pour tous. Mais bon, moi je vous l'avais déjà dit et je vous avais dit oui, ils allaient le faire, mais que ça allait pas, que ça allait pas durer parce qu'il y aurait de la contestation. Mais là on va développer un petit peu. Alors on y va. Alors, bah, les discriminations, ouais. Donc c'est ça, hein. La peur par rapport à la discrimination. Les gens qui crient parce que justement, il va y avoir vraiment une société à deux vitesses, comme on dit. Il y en a déjà une, hein. Mais là, ça risque de s'aggraver. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'obligation pour tout le monde? Moi, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Alors, il y a quand même la joie. Là, ils sont en train de plancher sur le sujet. Voilà, la trahison et la malhonnêteté. Bon. Alors, la joie, ici, on va regarder tout de suite avec mes autres cartes. On va regarder. Pas les remélanger, c'est pas grave. En tout cas, la trahison et la malhonnêteté, vous avez vraiment l'action du gouvernement, là. Hein. Ça sort tout de suite. Hein. Alors, la dette. Ouais. Ici, se libérer d'eux. Là, on a prendre. Bon, bah, prendre. Hein. Ouais, prendre la liberté des gens. Et là, la peur. Agir par la peur. C'est aussi les gens qui vont prendre peur. Bon. Alors, ça fait penser se libérer d'eux et dette. C'est comme si les gens, quand même... Attendez, j'ai deux idées, là. C'est comme si les gens, quand même, j'allais dire, vont accepter ou risquent d'accepter pour avoir quand même une certaine liberté. Ce qui n'est pas bon. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une catégorie de population qui risque de, effectivement d'accepter. D'aller, de se faire, bon, vax, comme vous savez, pour avoir accès à leur travail, etc., etc. C'est pour ça qu'on aurait ici les deux cartes ensemble. Et là, vous avez bien l'action du gouvernement, hein. Et les gens qui prennent peur. C'est-à-dire que là, on a le gouvernement qui poignarde les gens dans le dos, de façon malhonnête, et les gens qui ont peur, prendre peur, hein. Qui veulent se libérer de leurs dettes. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, encore une fois, qu'ils veulent ne pas avoir de dettes, tout simplement. Donc, ne pas perdre leur gagne-pain. C'est ça que je vois, moi. Hein. Ouais. Donc, c'est pas bon signe parce que c'est sorti tout de suite. Donc, on va mettre trois cartes pour essayer de développer un peu le sujet. Il faut s'attendre quand même à ce que nos psychopathes, là, hein, qui gouvernent, eh bien... arrive sur le projet. Du coup, j'ai mis les cartes dans l'autre sens. Bah écoutez, c'est pas grave. On va le faire comme ça, alors. Hein. On a supprimé dépendre 2 et N. Alors, on va mettre les trois petites cartes dedans. On peut faire les cartes comme on veut. Hein. J'ai sorti comme ça. Ça, c'est mon inconscient qui a décidé pour moi. Hein. Ça arrive. Alors, supprimer. OK. Dépendre 2. Ouais. Toujours les questions de timing. Hein. Et la haine de la liberté. Hein. Ouais. Et ici, supprimer. Bah, supprimer, pareil, tout ce qui concerne la liberté, hein, les interactions sociales entre les gens, etc. Hein. Bon, là, on a vraiment le détail. Hein. Ils sont pressés, en fait. À chaque fois, j'ai cette carte-là qui sort, mais ça veut dire qu'ils sont pressés. Donc, ils vont accélérer, à mon avis. Hein. Ils vont vraiment accélérer les questions d'agenda, là. Ils dépendent de leur agenda. Et donc, la haine de la liberté, hein, l'oiseau qui s'envole... qui s'envole, pardon, et donc supprimer tout ce qui fait que c'est la vie en société, ça. Bon, c'est pas très positif tout ça, mais je pense vraiment que ça va se faire.
on va remettre une carte là et là, puisque ça, c'est l'action du gouvernement. Et là. Vous voyez, on a là, toujours les questions d'acheter. Hein. Les gens qui sont achetés, là. Hein. Et voilà, les mesures gouvernementales. Ben, écoutez, si, hein, ça va se faire. Hein. Mais bon, d'un autre côté, c'est logique. Il faut rester logique. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient en bon chemin, hein? Il y a de la contestation, mais pas assez. Pas assez. Voilà, la laideur. Hein, vous avez la laideur des gens qui sont corrompus, qui sont achetés, qui continuent leur business. Et eux qui continuent vers leur utopie. Hein, c'est leur rêve. Hein. Là, je suis sur le gouvernement. Bon, ça va se faire pour moi. Alors, on va essayer de voir plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si ceci devait arriver, donc comme en Italie. Hein. Alors, la tromperie qui sort, la méchanceté qui sort, et l'isolement, ou la dépression. Ouais, il y a des gens qui vont craquer. Hein. La tromperie, la méchanceté, ou le danger, hein, si vous voulez. Hein. Ferme, ici. Danger, bah voyez, qu'est-ce que je dis, des dangers, c'est la carte du danger qui sort. Hein. Parfois, c'est extraordinaire. Donc c'est bien un danger, hein. Le jeu nous prévient d'un danger. Et succès, parce que les gens vont craquer, en fait. C'est ça qui m'embête, ici. C'est que vous avez là et là les questions de miroir, les questions de tromperie, les questions d'illusion. Les gens sont enfermés dans leur illusion. Ils ne veulent pas voir la réalité, hein. Je vous ai dit la dernière fois, hein. Le dormeur doit se réveiller. C'est ça qui m'embête, moi. C'est que les gens sont prisonniers de leur mental ou de leur illusion. Et du coup, il y a un danger très très net. Parce que ça risque justement de faire passer le passe pour tout le monde. Est-ce qu'il y aura éventuellement une réaction comme en Italie, hein? Est-ce qu'il y a quand même une minorité de personnes, le noyau dur des résistants? Est-ce que les gens vont contester plus fortement? Parce que là, si les Français laissent passer ça, c'est foutu, quoi, après. Hein. Bon, il y a la question des enfants qui ressort, voilà. Il y aura aussi les questions de vax pour les enfants. Les petits, hein, cette fois. Enfin, les petits-enfants. Enfin, les enfants, quoi. C'est aussi ça va être aussi mis en place, ça. Ils vont nous faire la totale. Ils vont nous faire la totale. Là, vous l'avez ici, les enfants qui ressortent. Voilà. Alors, pour rire, on ira voir ça après. Les enfants, chagrin par rapport aux enfants. Ouais, ouais, ça va se faire. Et ici, auto-saboteur. Bon. Alors, la question, c'est que, étant donné qu'à mon avis, ils vont mettre ça en place pour les enfants, et je parle vraiment des enfants, pas des ados, enfin les deux, en fait, hein, c'est que ça risque d'aller trop loin. C'est-à-dire que là, ils vont se saboter eux-mêmes. Hein. Ouais, donc en fait, ils pourraient faire les deux, si vous voulez. Ils pourraient mettre le pass pour tout le monde et en plus, étendre la vax à tout le monde. C'est-à-dire, en fait, oui, à partir de, je ne sais pas combien de, c'est les bébés déjà ou les petits-enfants, je ne sais pas. En tout cas, on va dire tous les enfants, on va dire, comme ça, je suis sûre. Mais que ça peut être le début de leur fin, parce que là, ça irait trop loin. On va remettre encore trois cartes. Alors, ouais, oh là là. Ah, on a notre Superman. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas qui c'est, donc ne me posez pas la question. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un là qui va quand même mener le combat. Par rapport à justement les histoires d'être prisonnier ou d'être puni. Hein, vous avez deux cartes quand même qui sont vraiment pas sympas. Hein. Mais il y a quelqu'un là qui va intervenir. En fait, j'ai vraiment l'impression, mais ça c'est depuis le début, qu'il faudra que les choses aillent très très loin pour que enfin on touche le fond donc et qu'on puisse remonter ensuite. Alors, apparence, ouais. Début, d'accord. Et là, on a honte. Toujours la honte. Hein.
Donc, apparence et début. Ouais, ça va être le début des restrictions, hein. Mais forte, hein. Très, très forte, hein. Très, très forte. Et là, eh bien, c'est pareil. C'est le fait d'être complètement emprisonné. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est une apparence. Donc, les gens peuvent se libérer s'ils le veulent. Alors, il y a quelqu'un qui va faire honte à tout le monde, justement. Et qui va agir. C'est toujours pareil, hein, cet homme-là, hein. Il y en a un qui va vraiment monter au créneau pour se battre contre ce gouvernement. Alors, ici et là. Ouais, ah, les bureaux qui se vident. Hein. Vous avez vraiment la société à deux vitesses, là. Hein. Vous avez les gens qui se décident pour une direction, les gens qui se décident pour une autre. Mais, et entre-temps, vous avez les bureaux qui se vident parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui diront non. Moi, je veux pas de passe, voilà. Donc, ça va être ça. Hein. Ça va être comme en Italie. Pour moi, on va vers on va exactement vers ce qui s'est passé en Italie. Voilà, il y en a qui vont s'accrocher et aller. Donc, aller ou ne pas aller au bureau, hein, et s'accrocher à une décision. Ouais. Ok, et à quoi ça va nous mener tout ça alors? Quel va être finalement le résultat de tout ça? Alors, les étoiles, ça me dit rien. Donc, j'en mets une autre parce que là, c'est pas une carte très parlante. Il y a la drogue. Bon, ça, c'est l'injection. Et la troisième, il y a les ennuis. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est la lumière, la lueur d'espoir plutôt? Victime. Ouais. Attitude, d'accord. Ouais, attitude des victimes. Hein. Il faudra vraiment que les Français se secouent. Hein. Et aider. Bon, aider. Bon, il y a bien cet homme-là qui va aider dans une situation difficile. Hein. Parce que j'ai que des mauvaises cartes pour l'instant. Ce qui me dit ici, c'est que les gens risquent, au niveau de leur attitude, de baisser les bras. En grande majorité, c'est-à-dire de se résigner à aller justement se rendre malade, hein, en prenant l'espèce de poison, là. Vous savez de quoi je veux parler. Et donc d'être victime, ici. Les gens continuent de rêver. Hein. Ils ne voient pas la réalité. C'est vraiment difficile. Mais on a quand même quelqu'un qui va aller aider, là. Dans une situation vraiment, justement, où là, on a plein de désagréments. Hein. Bon, je continue parce que le jeu, il a l'air de bien sortir aujourd'hui. Enfin, ce matin, en tout cas. Alors, le vivre et le couvert, ici. On a des conseils qui sont demandés à quelqu'un. Donc, il y a bien quelqu'un qui va intervenir. Hein. Des gens qui vont dire, mais comment je vais faire pour gagner, comment je vais faire pour garder mon salaire? Comment je vais faire pour résister? Vous voyez, c'est ça que j'étais en train de dire, en fait. Alors, se vanter. Ouais, c'est pas peut-être pas un bon terme, se vanter. C'est en tout cas des gens qui vont demander conseil à quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est ça. C'est pas vraiment se vanter. Je trouve que ce terme-là est pas adéquat. Je vois plutôt quelqu'un qui demande conseil à quelqu'un d'autre, là. Donc, il y a des gens qui vont vraiment aller se rassembler sous l'égide d'une personne qui va leur donner des conseils. Ouais, c'est plutôt ça. Il y a des gens qui vont résister, hein. Alors, pareil, encore les manifestations, les gens qui vont demander. Hein, c'est toujours les manifestations, ça. Hein. Les gens qui demandent, c'est les gens qui manifestent pour demander. Donc, ça va continuer. Hein. Détruire. Ouais. Ah, là, par contre, c'est pas bon, détruire. Et stupide. Aïe, aïe, aïe. On est mal parti. Hein. Bon, on va changer de jeu un peu parce que j'en ai sorti beaucoup. Donc, on va aller regarder un peu avec Habitat ce qu'il va nous dire. Pour l'instant, moi... Pardon, je vois, je suis en train de faire un massacre là. Voilà, je suis en train de voir que les choses peuvent aller très très loin. Très très loin. Qu'il y aura bien un noyau de résistant mené par quelqu'un, au moins une personne. Superman, hein. Mais ça peut être plusieurs personnes en fait. Hein. Mais bon, en tout cas, au moins une. Et que ça va être difficile. Ouais,
ça va être vraiment difficile. Alors, parce que là, j'ai quand même détruire. Donc, c'est les gens qui demandent. Hein, et les gens qui vont se rassembler, c'est stupide. Donc, ça veut dire que leur action ne va pas être soutenue. Enfin, ça, on s'en doutait. Hein, par le gouvernement, hein, qui va aller se trouver stupide, si vous voulez. Hein. Ouais. Bon, alors, est-ce que si ça devait en arriver là, est-ce que les Français, quand même, pourraient arrêter tout ça? Donc là, on va regarder. Alors, les oiseaux qui s'en vont, la fumée. Ouais. Et une situation très difficile. Bon, là, je vais pas remettre des cartes par-dessus, recouvrir les cartes. Hein. On n'a pas besoin. En fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, hein, qui vont migrer ailleurs. Pour éventuellement aller dans un endroit plus isolé, plus calme. Et que là, il y en a certains, bah, ma foi, qui risquent d'avoir vraiment... qui risquent de perdre. Ben, perdre beaucoup de choses. Hein, puisque vous avez la vieille femme ici qui marche pieds nus. Vous voyez, c'est le désert. Et c'est pas des belles cartes. Et en plus, elle est pauvre, quoi. Donc la traversée du désert, là. On va vers des choses difficiles. Je ne veux pas vous mentir, hein, ça ne va pas se résoudre comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'il y a toujours des gens qui vont dormir. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Il n'y a pas assez de gens qui sont réveillés. Il y en a qui continuent de dormir. C'est ça le problème. C'est la solidarité manque en France. Ça a toujours été un pays divisé. Division qui s'est accentuée du fait de la politique des gouvernements successifs. Ce qui fait qu'on a une population qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et du coup, un peuple qui n'arrive pas à s'accorder, c'est un peuple qui peut être en danger. Hein. C'est bien le problème. Regardez les aides-soignants en Martinique, ils étaient tous unis et ils ont eu gain de cause. Mais en France, il y aura toujours des gens qui vont accepter. Et en acceptant, ben, ma foi, ils vont permettre au gouvernement, évidemment, de faire ce qu'ils veulent. Et comme le gouvernement sait qu'il y a une échéance en 2022, n'est-ce pas? Ils vont accélérer. Voilà, il y en a encore qui dorment. Bon, on va laisser les gens qui dorment de ce côté-là. On va regarder du côté des gens qui vont se battre. Voilà, encore les gens qui dorment. Vous voyez, décidément, j'ai que ça. Hein. J'ai une fois là, là et là. Il va falloir vraiment que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Alors, là, on a des gens quand même qui vont se réunir, qui vont discuter pour démasquer les gens malhonnêtes. Mais, je vous dis, ça va être une situation difficile. Hein. Très difficile. Bon, alors, c'est quoi la solution? Parce que les gens vont quand même avoir gain de cause. Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Bon, il va y avoir un appel aux médias. En tout cas, il y a la question des médias qui intervient. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici il va y avoir des grèves. Il y a la panne. Une carte importante ici. Hein. Bon. Il y a des gens quand même qui vont se mettre en grève. Il va y avoir un appel aux médias pour établir la vérité, la transparence. Il serait temps. Et vous voyez, donc il y a bien vraiment quelqu'un qui se dresse face au danger. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui va combattre. Hein. Mais il ne faut pas qu'il soit tout seul. Hein. Qu'il va y avoir une tempête, donc. Bon, on a quand même une chance, là, qui arrive. Je vous dis, je sors beaucoup de cartes. Et quelque part, quelqu'un qui pourrait apporter l'espoir de sortir de cet emprisonnement. Ouais. Mais vous voyez, en fait, ça, cette carte, elle est très intéressante. On a deux aigles qui se battent, ici. Il y en a un, ici, qui est en train de prendre l'ascendant sur l'autre. Il y en a un qui est en train de tomber, là. Au début, je n'avais pas vu ces cartes-là. Mais il y a vraiment une bataille dans le ciel. À haut niveau, un haut niveau, un aigle qui est en train de, encore une fois, de blesser un autre aigle qui est en train de tomber. Donc il va y avoir un combat. Ben, on peut considérer que c'est le nom, par exemple, hein, avec d'autres personnes, ou une autre personne, en tout cas, il y en a un qui va perdre et un qui va gagner. Alors, je ne sais pas exactement si c'est la France ou si c'est les États-Unis. Je ne sais pas. Ouais, mais il y aura des victimes avant ça. Hein. Bon, on a quand même ici une petite lueur d'espoir. Bon, après, le jeu me dit qu'il faut que j'arrête. Parce que je ne suis pas censée tout savoir, voilà.
En fait, je me dis qu'il y a des choses encore qui sont cachées, qui doivent rester un petit peu cachées. Hein, on a ici les empreintes dans le sable qui disparaissent. Donc, il y a encore des choses qui vont arriver, qui devraient quand même permettre de, comment dire, de retourner à une situation... alors, j'ai pas envie de dire normale, parce que la situation ne sera plus normale. Mais une situation où, quelque part, les gens arriveront à s'en sortir. Hein, il y a le feu, il y a la lumière, il y a la nature. C'est comme si on allait encore, quand même arriver à refaire une vie plus ou moins normale. Mais vraiment, j'insiste, ce ne sera pas tout à fait normal, ce sera plus normal. Mais il y aura quand même ce qui est nécessaire pour vivre, quoi. Mais avant ça, il va y avoir vraiment... Beaucoup de victimes et une confrontation très violente ici entre deux personnes ou en tout cas deux groupes extrêmement puissants. Il y en a un qui va perdre. J'espère simplement que celui qui va perdre, c'est le mauvais. Voilà. Il faudra que je regarde un petit peu plus en détail par la suite. Là, je vous ai sorti énormément de cartes. Donc, vous savez un peu ce qui nous attend, hein. Enfin, sans vouloir me vanter, parce qu'évidemment, je peux me tromper, hein. Je vous le redis encore quand même, hein. Mais j'ai l'impression quand même que c'est... Je ne sais pas pourquoi, ce tirage-là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Qu'on va vraiment vers des choses, vraiment comme l'Italie. J'ai vraiment l'impression que le gouvernement a décidé de faire pareil, d'aller jusqu'au bout pour des questions d'agenda, et puis parce que la confrontation, ma foi, est en train de diminuer, ou en tout cas, les manifestations sont en train de diminuer un petit peu. Ça ne bouge pas assez, et donc forcément, ça les encourage. Hein, vous avez bien vu Manu là qui s'amuse au football à l'Elysée, mais sans masque, personne n'a de masque, tout le monde s'amuse. Enfin, ils n'en ont rien à faire. Que les gens manifestent, ils s'en fichent, mais complètement. Ça ne les intéresse pas. Continue. Ils ont décidé de faire ça, ils le feront. Ça, c'est quelque chose que je ressens très très fortement. Et que pour arriver à avoir gain de cause, eh bien, si les Français ne s'unissent pas, ça va être très difficile. Très très difficile. Mais il y a quand même quelqu'un qui va, à mon avis, intervenir pour essayer d'unir les Français, d'unir les gens et se dresser face aux ténèbres. En fait, cette carte-là, elle est bien, elle est pas mal. Hein. Se dresser face aux forces des ténèbres ici, hein. Qui sont dans l'ombre. Hein. Vous voyez, en fait, les gens, on ne les connaît pas. Ça, c'est le nom. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé ce tirage qui est de... Encore une fois, très très long, comme d'habitude, n'est-ce pas? J'arrive pas à m'arrêter. Mais, donc oui, ça va se faire. Je pense vraiment que ça va se faire. Mais que ce sera quand même la porte ouverte ensuite à des grosses, grosses difficultés. Alors, on est fin 2021, ma foi. Moi, je pense que ça va se continuer sur 2022. Hein. Là, fin octobre, novembre, décembre, janvier, février, tout ça. Les prochains mois vont pas être faciles, hein, parce qu'ils vont continuer. Ils vont continuer dans leur agenda et ils vont mettre en place des mesures de plus en plus restrictives. Donc, restons solidaires. Vraiment, restons solidaires. C'est la seule façon de gagner. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.